perdu tout ce que j'avais. Tous mes disques durs et même mon accès réseau. Il faut que je trouve le moyen de me remettre en ligne. Et elle est où, Clara? Oh, fais gaffe, Hayden. Tu peux pas la mêler à tout ça. Tiens. Merci. Ces types, c'était qui? Aucune idée. Ils ont dû repérer la recherche sur le site OS. C'est de ça que je voulais discuter. DedSec raconte que quelqu'un d'autre a les codes de piratage. Tu sais, ce que je t'ai donné. Non, non, attends. Je les ai donnés à personne, tu peux me croire. Il faut qu'on se fasse confiance. Bon, écoute, j'ai pas vraiment le temps de te rassurer, Clara. Si tu me crois pas, j'y peux rien. Quelqu'un a mitraillé ma chambre de motel. Ma sœur a disparu et j'ai aucune piste. Alors t'es pas ma priorité pour l'instant. Non, bien sûr que non. Je le sais, ça. Tu connais cet endroit? Quelque part par là, c'est censé être le premier site de test du CityOS. On l'appelle le Bunker. En tout cas, c'est ce que dit la légende urbaine. Le Bunker? Avec accès à la ville entière? Un accès indétectable. J'ai fait des recherches pendant des mois. J'ai épluché le cadastre, quadrillé la ville et cherché tous les trucs cachés. Il y a une zone vierge sur toutes les cartes, juste là. Enfin, dans le coin. Et pour le motel, j'ai peur que t'aies perdu ta caution. Il faut qu'on le trouve. Faut que je trouve comment entrer dans le bunker. Un accès fantôme à toute la ville. Ça peut être utile. Qui tu es, toi? Si tu peux faire ça, tu peux m'aider à entrer. Tobias Frewer. Bon, quelqu'un est allé sur l'île il n'y a pas très longtemps. Son nom, c'est Tobias Frewer. Bien sûr. C'était un des pionniers du CityOS, jusqu'à ce que Bloom décide de le virer. Ce mec, soit il est fou, soit il prend des trucs. Peut-être même les deux. On a essayé de le contacter, pour voir ce qu'il savait sur l'île, et il nous a sorti son fusil à pompe. Il habite pas loin d'ici, dans un campement de sans-abri. Il est SDF? Il tient un magasin clandestin, surtout. Les gars de DedSec y vont quand ils ont besoin de matériel spécial. Mais laisse tomber. Il dira rien, c'est un parano. Je suis du genre persuasif. Attends, je vais voir ce qu'il sait. Bon, je te laisse parler, d'accord? Tu crois vraiment que cet endroit existe, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il existe. Alors tu crois vraiment au conte de fées? Quand j'étais petite, papa m'emmenait camper à Mont-Tremblant. Il disait qu'on allait à la chasse au trésor. Évidemment, à l'époque, je comprenais pas, mais en fait, ils cambriolaient les chalets. Montre en or, bijoux. Je me rappelle de son sourire quand il volait quelque chose de spécial. Comme la fois où j'avais trouvé une pièce rouillée avec un empereur dessus. Il m'a dit que c'était une vieille pièce romaine. Inestimable. Mais il m'a dit de la garder. Que c'était ma clé pour un monde magique. L'Empire romain tout entier. À mon avis, je dois tenir ça de lui. L'amour des contes de fées. Eh ben, j'espère que ce bunker existe aussi. J'en suis sûr. On ne déplore aucune victime. La police a ouvert une enquête et les autorités se félicitent de la réponse rapide. Voilà. C'est ici que Tobias vend son matériel. Surtout des trucs de marché noir. Tu pourras y trouver des plans assez rares, si t'as de la chance. Il est pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un dans le coin sait comment le joindre. Je vais jeter un œil. Sympa, la déco. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de faire un poker, là.
Ah ouais, t'as des clients. Hé, hey, je suis fermé, là. Attends, il ressemble à quoi? Je sais pas, moi, une nana si punk, hein. Ouais, je suis fermé. Ils jouent au poker. Je pourrais peut-être jouer avec eux. Un poker. Voyons voir où tu te caches. Ça y est, je te tiens. Hé, hey, c'est quoi, ça? Il y a quelqu'un d'autre qui trace l'appel. Ça doit être des fixeurs. Hé, hey, tu vas pas le croire. J'ai trouvé l'out, là. Tobias, tu sais? Je vais le chercher tout de suite. Les voilà. Ils vont bientôt le retrouver. Je dois les arrêter. J'avais raison, il est parano. Mais je l'ai trouvé. Tu veux y aller tout seul, c'est ça? Je comprends. On se retrouve sur l'île. Il me faut du renfort! Écrase-le! Vas-y! Continuez à chercher. On l'a perdu. Putain de merde. Vous savez combien il vaut, ce mec? Ok, maintenant, on va aller se faire un petit poker avec Tobias Frewer. Y'a que lui qui peut me faire entrer sur l'île de Clara.
poker illégal dans le coin. Grosse surprise. Tobias doit être l'un d'entre eux. Je vais jouer avec vous. Qui t'es, toi? Je te connais pas. Je le connais pas. Du calme. C'est toi, Tobias? C'est pas tes oignons. Bon, je vais prendre ça pour un oui. Non, non, prends ça comme un « c'est pas tes oignons ». Eh, hey, t'es agressif comme mec. C'est pour ça que Bloom t'a viré? Se croient chez eux ici. Bon sang. Tu te trompes de personne! Attends. J'ai juste besoin d'un truc. Après, je te laisse filer. Non, pas moyen. Ils vont le savoir. Je suis pas avec eux. Pourquoi je devrais te croire? Parce que je pourrais te tuer et me servir. C'est pas une réponse, mec. Bon, écoute. Je bosse pas pour qui tu crois. Cette conversation restera entre nous. Y a pas d'alim au bunker. Rien. Pas de courant, tu piges? C'est devenu un vrai cimetière. D'accord. C'est pas très grave. Maintenant que j'y pense, c'était déjà comme ça, hein, un cimetière. Tous ceux qui se sont approchés de cette merde, on a tous un pied dans la tombe. Mais ça va. C'est tranquille ici. Enfin, je crois. Mais oui. Tobias, tu veux bien me donner la télécommande? S'il te plaît. C'est moi qui l'ai fabriquée, la télécommande. Oui. C'est ça mon truc, moi. Je bricole. Et c'est très bien. Allez, donne-la-moi. Oui. D'accord. Ça roule. Oh. Oh. Tiens, prends-la. Merci. C'est ta vie, après tout. Elle est lourde, hein? Ouais, et crois-moi, ça va devenir de plus en plus lourd. Hé, dis. Si t'as besoin de quelque chose, n'importe quoi, hein,
viens me trouver. Parce que je bricole, moi. Ça marche. Je pourrais très bien devenir aussi taré que Tobias. Je suis déjà recherché par les mêmes types. Et puis maintenant, je suis SDF, moi aussi. Mais il a pris des médocs ou de la drogue. Si j'étais lui, je ferais gaffe. Il est recherché par les fixeurs. Et s'il le retrouve, qui sait ce qu'ils lui feront. Et au fait, Maurice m'a gentiment donné des coordonnées. Il a l'air convaincu que tu trouveras quelque chose. Il dit que si tu veux des réponses, tu vas devoir suivre sa piste. J'ai aucune idée de ce qu'il veut dire, mais j'ai pensé que ça pourrait t'intéresser. T'as eu raison. On progresse. Il veut que je comprenne pourquoi il a fait ça. Trouve-lui une récompense ou quelque chose, ok? Quoi? Je lui donne un cookie? Je sais pas. Sois créatif. Le bunker. Clara compte énormément sur cette légende. Et Tobias avait l'air d'en avoir peur. Le côté mythique de l'endroit m'intéresse peu. Mais si ça peut m'aider à retrouver Nikki, alors pourquoi pas? T'as retrouvé Tobias? Ouais. Et alors? On a joué au poker, on a discuté gentiment. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Clara, le bunker existe. Je te l'avais dit. N'y va pas sans moi, j'arrive tout de suite. T'inquiète pas, je dois encore rétablir le courant. Ensuite, faut trouver une entrée. On se voit bientôt. Thank you.
J'ai entendu le générateur se mettre en marche. Il va falloir plus de courant que ça. Tu peux chercher l'entrée? Comment Bloom a pu planquer un endroit pareil? J'espère qu'il y a un ascenseur secret. On appuie sur un bouton et le sol s'enfonce dans une base souterraine. Quoi, sous l'eau? On est sur une île. Ah oui, pas bête. En haut alors. Un des immeubles. Je continue à chercher. Les générateurs sont là. Je vais pirater la porte. C'est presque fini. Quand on y sera, tu pourras nous connecter au réseau? Attends, pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Si je foire le coup, je t'autorise à déchirer ma carte de hacker. Attends, t'as vraiment une carte de hacker? Fais-nous entrer. Et peut-être que je te la montrerai un jour. J'y travaille. Oh ouais, t'as trouvé mon fichier? Je commençais à m'habituer à entendre « It's raining men » dans le bunker 24 heures sur 24. Et dans ta voiture, et dans ton MP3, et dans tous les magasins où tu vas. Bon, si jamais tu veux le morceau, je peux te l'envoyer. À toi, Tony. Thank you.
croyais. Le système vient de se réactiver. Attends-moi. Pourquoi? Ça craint rien. Personne n'y a accédé depuis des années. Pourquoi? Parce que je veux voir ta tête quand on ouvrira la porte. C'est sympa ici. Tu vois ? Qu'est-ce que je t'avais dit ? Je savais bien que j'avais raison. Clara, il faut qu'on fasse un pacte. Personne ne doit savoir. En tout cas, jusqu'à ce que j'aie fini. Bien sûr. Bon, voyons si on peut rallumer tout ça. Vas-y, croise les doigts. J'y vois rien du tout. Tu pourrais allumer ? Quoi ? On dirait que Bloom a pris le gros du hardware, mais les connexions, c'est ça le plus important. Voilà. On peut nous repérer ici ? C'est un site sécurisé, conçu pour être intraçable, incraquable. Ouais, on est pourtant sur le point de le craquer. J'ai besoin de savoir d'où vient cette adresse IP. Laisse-moi voir. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial ? C'est juste une piste, c'est tout. Comment Damien a trouvé ça ? C'est plutôt bien caché. Toutes les entrées sont fermées. Je dirais que ça vient du quartier de Rossi Fremont. Le territoire des Viceroy. Là, la télésurveillance. Je peux m'en servir pour voir l'intérieur. Tu peux me connecter d'ici ? Non, ils sont complètement séparés du réseau. C'est très bizarre. Si je peux pas le faire d'ici, je vais me connecter à la source. Tout sera opérationnel avant ton retour.
C'est une connerie d'entraîner Clara dans tout ça. La confiance, c'est dangereux. Mais sans elle, je serais complètement paumé. Clara, c'est la seule personne que je considère comme une amie. Il faut d'abord que je trouve un accès au réseau CityOS. D'après un récent sondage réalisé par WKZ, de nombreuses personnes se déclarent en faveur d'Aiden Pierce, soupçonné d'être le justicier. Certains affirment même qu'ils le protégeraient s'ils en avaient l'occasion. La police de Chicago prévient toutefois que, ce faisant, ils s'exposeraient à des poursuites. L'accès est interdit. Pas par là, faites demi-tour. Pas possible! Hey, les trucs sont censés avoir je sais pas combien de sécurité! Mais tirez-le, vous ne pouvez pas, je vous bute! Faut qu'on le trouve! Soyez prudents! Y'a rien! Je vais voir là-bas! C'est pas bon ça! Fouillez la zone! Je vois que dalle! Je bouge de là!
Y'a rien ici. J'avance. Je vois que dalle. Je vais faire un tour ailleurs. Y'a rien ici. Je vais chercher. Je vois que dalle. Je vais faire un tour ailleurs. Y'a rien ici. Y'a rien ici. Je bouge, je vais voir là-bas. Rien ici. Je vais voir par là-bas. Attention. Je vois que dalle. Juste là. Change de point. Y'a rien ici. Viens pour moi. Restez sur le coup. Ouvrez l'œil. Continuez à chercher.
Le CityOS enregistre notre quotidien 24 heures sur 24, et le public n'en sait rien. Ouais, voilà. Voilà, c'est mieux. Putain, vous êtes sérieux ? 10 millions de dollars par an et vous savez pas attraper une balle ? Allez mourir, bande de bâtards. Je sais pas pourquoi. C'est quoi, je suis pas content là. T'as merdé. Putain, mais c'est. Eh mec. Oh, la police de Chicago vient de lancer un mandat d'arrêt contre le justicier Hayden Pierce, mais les habitants de la ville ne se cachent plus pour lui témoigner leur soutien. Par conséquent, les forces de police ont énormément de mal à obtenir des renseignements.